reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. On bénit Dieu pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui encore. Vraiment, merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Tibi Yeshua est décédé. Ça fait maintenant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, c'est un jour après son anniversaire. Genre, la fête qu'il avait prévue. C'est un jour après la fête qu'il avait prévue. Juste pour célébrer ce 58e anniversaire. Malheureusement, il est déjà parti. Il est mort. Il est décédé. Quelque soit la manière dont vous dites la chose, mais apparemment, il est déjà parti. Et les gens se posent la question de savoir, mais ah, Tibi Yeshua, on dit que toi tu étais un prophète, non? Pourquoi n'avais-tu pas vu ta mort venir? Les gens disent, mais ah, comme c'était un prophète, comment est-ce qu'il n'avait-il pas vu, pu voir lui-même sa propre mort venir? Dans la Bible, on sait que le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il allait mourir. Il allait mourir humilié d'une manière non, que vous ne pouvez pas comprendre. Mais que s'est-il passé dans le cas de Tibi Yeshua? Est-ce qu'un soi-disant prophète d'aujourd'hui, c'est-à-dire de notre temps, ne peut-il pas lui-même voir sa propre mort venir? Qu'est-ce qui est derrière tout ça vraiment? J'essaierai de vous dire certaines choses. Mais déjà, regardez un peu. Vous-même prenez la chose, regardez. Tibi Yeshua était venu annoncer sa fête d'anniversaire. Enfin, la fête de son 58e anniversaire. Il a juste dit que voici, les conditions ne sont pas réunies pour que la fête d'anniversaire ait lieu. Mais il ne savait pas comment ça va se passer à cause de cette histoire de virus qui fatigue les gens et tout ça. Mais il remet cela entre les mains de Dieu. Est-ce que dans ce qu'il a dit là, il y a une prophétie dedans? Dites-moi. Est-ce que dans ce qu'il a rien de dit là, est-ce qu'il y a une prophétie dedans au point où ça doit s'accomplir forcément? Moi je ne vois pas. Hein? Si vous voyez, dites-moi cela dans la partie des commentaires. C'est comme vous. Vous avez envie de bien manger. Vous avez envie de bien manger le mardi prochain. Et vous dites à vos amis, écoutez, moi j'ai envie de bien manger. Venez, on va faire le show ce jour-là. Maintenant, vous arrivez à ce show, vous faites le show tranquillement. Ou bien vous n'arrivez pas à ce show, parce que ce jour-là, il pleut. Est-ce que vos amis vont dire, ah, toi, t'es un salaud, hein? Tu avais dit qu'on devait venir, non? Comment ça veut dire qu'il pleut ce jour-là? Pourquoi ça veut dire qu'il pleut? Ah! Non! 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 Ça, c'est pas une prophétie. Ça, c'est juste un plan, le plan des humains. Les gens planifient, ils ont planifié des choses. Tu peux planifier, c'est comme tu peux planifier de voyager, tu peux planifier d'aller quelque part. C'est comme ça, il a dit, ah, moi aussi, je planifie de faire la fête d'anniversaire le 12 juin. Que Dieu permette que ça se passe bien. Il dit que Dieu permette que ça se passe bien. C'est comme toi, tu peux dire, oh, je dois faire quelque chose le lundi là. Inch'Allah, ça va aller. Si Dieu le veut, ça va aller. Si Dieu le permet. Ouais, non. C'est exactement ça. Donc, cette affaire de dire que, ah, comment est-ce que Tibi Yeshua n'avait-il pas vu sa propre mort venir, même il a planifié la fête d'anniversaire et tout ça. Non, c'est pas une ce qu'il a dit, c'est pas une prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une prophétie, c'est pas Dieu qui a dit, Tibi Yeshua, le 12 juin, tu vas fêter ta fête d'anniversaire. Tout le monde a envie de te donner un cadeau.
Ou bien, tu dois manger ta bonne nourriture. C'est pas une prophétie, mon frère. C'est pas une prophétie, ma soeur. Donc, s'il est décédé au jour où il avait planifié célébrer quelque chose, que personne ne dise que, ah, toi, tu étais un prophète, donc pourquoi est-ce que tu n'as pas vu ta pomme mort venir et puis tu as même prévu la fête d'anniversaire? Non, ça n'a rien à voir. Une prophétie, c'est genre un message que Dieu te donne. Dieu vient te voir et te dit, regarde ça, faut voir. Ce que tu vois là, va raconter ça aux gens. Parce que ce que j'étais de voir et que tu vas raconter là, c'est ce qui va s'accomplir, c'est ce que moi-même je vais faire. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que les gens soient rassasiés ou qu'ils aient faim. Et toi, tu viens comme juste un instrument. Tu viens, tu dis, oh les gars, regardez, ah, Dieu va monter des trucs, hein? Voici ce qu'il a dit. Il dit, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Si vous ne vous répétez pas, répétez-vous et détournez-vous du péché. Alors, toi, moi, là, en train de vous regarder. Et vous commencez à se moquer de vous. Ah, tu es salaud, depuis quand tu vois Dieu, Dieu te parle aussi. Toi aussi, Dieu te parle. Toi aussi, Dieu te parle. Mais, au moins, il ne faut pas s'en rendre compte là. C'est là maintenant que Dieu va venir. Bouh. Ah, on dit Jésus revient. Et regardez, il est là. Le baba tient. L'opa est de retour. Ouais. Là, on dit que c'est Dieu qui a parlé. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Seul Dieu peut veiller sur sa parole pour l'accomplir. Nous, les humains ici, nous sommes très, très limités. Si Dieu nous donne la force de nous réveiller le matin, là, c'est là qu'on fait notre poitrine maintenant. Pour dire, oh, aujourd'hui, je vais manger de la bonne nourriture. Mais là encore, là, que la nourriture passe bien. Que ce soit une bonne nourriture. Sinon, tu risques d'avoir la diarrhée dans ça. Tout est Dieu, vous devez comprendre que tout est Dieu. Vraiment, nous devons nous accrocher à Dieu parce que l'homme est limité. Sans Dieu, vraiment, c'est pas où l'on va aller, quoi. L'argent que nous recherchons, tout ça, c'est pour acheter les choses qui sont autour de nous. C'est pour se faire plaisir. Mais, ça s'arrête là. Dieu est vraiment fort. Dieu est vraiment fort. Cet homme, vraiment, je ne le connaissais pas personnellement. Je ne peux pas dire que c'était un vrai ou bien un faux. Les gens racontent beaucoup de choses, mais moi, je ne peux rien dire. Moi-même, je me cherche. Moi-même, je ne suis pas parfait. Vous voulez que je dise quoi? Moi-même, je me cherche. Moi-même, je dis, Seigneur, mon Dieu, pardon. Je suis un grand pécheur. Faut que ce soit pro pour moi, pardon. Pardon. Faut que ce soit pro, pardon. Faut me pardonner. Moi-même, je cherche. Et puis, il y a ma bouche. T'as affaire de quelqu'un. Ah! Non. C'est pas comme ça. Tu as ton ami à côté, c'est pas comme ça. Tu as ton ami à côté, c'est pas comme ça. Hey, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez ce qui se passe. Même d'autres vidéos vont venir après ça, vous serez même surpris. Les gens racontent, les gens parlent. Vous savez, l'homme, les hommes, ils ne font que parler. Tout ce qu'ils savent faire, c'est parler. Même s'ils sont malades, hein, rien ne peut bouger sur eux. Si leur bouche, c'est ma bouche, peut bouger là. Hey, yeah, yeah. Vous êtes foutus. Ce qui va sortir de leur bouche, ça peut même vous donner du palais. L'être humain ne respecte plus les morts. L'être humain ne respecte vraiment plus les morts. En fait, l'être humain ne respecte plus rien maintenant. Vraiment, on a vu Didier Arafat qui est décédé. On a vu beaucoup de choses qui sont passées autour. Voici le prophète Tibéoshua aussi qui vient de partir. Quand je regarde toutes ces choses, moi qui ai assisté à ces deux événements, je me dis que vraiment, la mentalité des humains a carrément changé. Quand quelqu'un meurt, surtout quand c'était une personne connue, aïe aïe aïe, vous n'imaginez pas le désordre qu'il y aura autour. Surtout quand cette personne avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et ce sont les choses qui risquent de vous arriver. Hein. Si vous avez beaucoup d'ennemis, il y a des gens qui sont là qui prient pour que vous tombiez. Et quand vous allez tomber là, il faut venir les premiers. Oh, venez, il y a ferrage. Sortez, oh, venez. Celui-là qui est parti là, c'était un salaud.
Ouais. C'est comme ça, c'est maintenant. C'est comme ça, c'est. L'homme, on ne peut plus faire plaisir à l'homme. Hein? On ne peut plus faire plaisir. Tu peux avoir confiance à l'homme comment? Tu peux avoir confiance à lui comment? L'être humain est vraiment. Vraiment m'a montré que vraiment, il ne faut pas se fier à lui. Dans toutes les dimensions. Et le monsieur est parti. Les gens sont toujours en train de parler. Mais comme chaque chose a une fin, ils vont s'arrêter un jour. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de ce monsieur? Qu'est-ce qu'on retiendra? On retiendra ses œuvres, ce qu'il a fait. C'est pourquoi vous qui regardez cette vidéo, là maintenant, je vous parle. Faites tout ce qui est possible pour avoir de bonnes œuvres sur la terre ici. Pour que même si les gens racontent des choses sur vous, vos œuvres, vos bonnes œuvres parlent pour vous. Détournez-vous du péché. Ne détournez pas les fonds publics. Si tu travailles dans le gouvernement, il faut être juste. Il ne faut pas voler l'argent du pays. Là. Vas-y, tu vois l'argent du pays, hein, t'es exposé. Moi, viens venir ici même. Vous allez dire où? Tu ne m'as pas donné aussi, donc viens. Hey! Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais après cette vidéo, il y a beaucoup de vidéos encore qui vont venir. J'aurais dû la faire hier, mais vous avez laissé le temps de souffler un peu. Mais là, je suis chaud. Je suis de retour. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à toute la poche. Et pour nous montrer que vous nous suivez, que vous voulez qu'on fasse encore des vidéos de ce type, laissez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Et beaucoup de partages s'il le faut. Et les commentaires aussi. Pour nous dire ce que vous en pensez. Parce que je lis les commentaires. Je lis bien les commentaires. Donc je vous attends. C'est parti. Ça vous jouer. Let's go. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.